vous commandez 1000 Galil dans le pays Israël pour unité spécialisée. Et nouvelle là tombée dans oreilles, ou a financé gang, ou a bay gang zam, Canada dou ou pas rentrer la Kaili et ou pas faire aucune transaction à moun qui dans le pays Canada. Sou gen de bien dans le pays Canada, bien ça yo, ou a perdu automatiquement, sou gen de l'argent, les comptes en banque, y a gelé yo. Dis-moi, et Laurent Lamotte, l'on finit à prendre nouvelle ça, à qui état d'esprit, nouvelle ça, rentre dans les oreilles? Bon, premièrement, m'a salué au guerrier, m'a salué tout auditeur, auditrice, vous cantez la parole. Et parce que nous connaissons une grosse émission qui remplit l'écoute internationale, locale et dans quatre coins, le monde entier. Donc félicitations pour ça. Et effectivement, guerrier, moi apprends une nouvelle là, que Canada m'a levé hier matin et puis m'a recevoir son WhatsApp que moi t'as sujet à des sanctions du Canada, soi-disant parce que m'a financé gang. Etc. Et donc, moi-même. Laurent Lamotte, est-ce que c'est l'autorité canadienne qui contacte ou bien ces nouvelles-là ou apprennent même à tout le monde? Non, moi-même, c'est sur WhatsApp que je recevais la nouvelle. Je ne recevais aucune information du gouvernement canadien. C'est sur WhatsApp que je recevais même à tout le monde. C'est sur nouvelle internet que je recevais. Ok, mais qui première impression et l'a recevoir la nouvelle ça? Bon, il y a deux bagages. Premièrement, je trouve qu'il y a une légèreté dans les gens que le gouvernement Canada règle les questions. Hein. Parce que pour prendre sanction contre le monde, premièrement, il faut que tu aies gagné un minimum, un minima d'investigation qui fait. Il faut que tu aies gagné un rapport qui sorti, il faut que tu aies gagné des indices, et puis il faut que tu aies gagné un motif tout. Parce que moi-même, je connais. Laurent Lamotte, en fait, tout le monde connaît que nous étions premier ministre pendant 31 mois. Et si il y a un monde qui a traqué gang, qui était derrière gang, il y a bien Laurent Lamotte. Donc nous trouvons drôle que je ne vous dis pas, et le gouvernement canadien, dans tout le monde qui est dans le pays, qui est dans la gang, dans tout le monde qui est dans le pays, qui n'a question, qui n'a question banditisme, et puis c'est moi-même qui fait pratiquement tout et moi d'après ministre et ma boumé contre banditisme. Après avoir c'est la police nationale d'Haïti, et puis c'est sous moi Canada avec moyen pour vivre donc ça. Donc ça c'est une erreur grave que Canada fait là. Pour qui ça ou estime le son erreur puisque ou même ou fait partie de l'équipe bandit légal d'ailleurs. Michel Martelly présente comme tel, Laurent Lamotte bandit légal, toute équipe bandit légal le présente yo, et il pas prend pour contou, il prend ensemble avec Martelly. Ça veut dire que est-ce que dans structure, dans montage que nous avons fait, soit pour nous gagner élection, soit pour que nous te gouverner, est-ce que nous pas gagner dans équipe bandit légal, nous pas gagner connexion avec des bandits? Bon, et pour me répondre aux questions, ça, premièrement, il faut nous faire différence là, entre un chanté et bon vidéo, et puis un gouvernement. Moi-même, je ne pas dans le gouvernement, je ne pas dans la question de banditisme, et tout le monde connaît ça. Tout le monde connaît la position de Laurent Lamotte vis-à-vis de bandits. Et ça, je crois que tout le monde doit reconnaître. Parce qu'on doit aimer Laurent Lamotte, on ne doit pas aimer Laurent Lamotte. Ça, c'est choix par. Mais faut d'accord que le Laurent Lamotte là, pas de gain, kidnapping, pas de gain zone de non-droit, ou t'es capable de Matisse sans Kekal, ou t'es capable de sortir Kekal, t'es gain vie nocturne sans problème, t'es gain touriste qui t'a rentré dans le pays, ou pas de paix pour t'aller, parce que vous connaissez que la police qui est là pour vous support. Donc, ça, ce sont des faits. Quand il y a question de bandits légaux, etc., moi-même, je ne vais pas souscrire ma logique, ça, parce que je ne vais pas bandit, même si vous ne pouvez pas bandit. Non, mais vous ne dites pas bandit, mais à l'époque, les présentés bandits légaux, ou pas de jambes, on foi même. Ou pas de jambes, on foi même. Comme si, soit pendant des premiers ministres, ou pendant une équipe et bandit légal, Jean-Michel Martelly présente là, ou pas de jambes, dit clairement qu'on ne parle pas. Ça veut dire que
Parce que ouais là peut-être il y a une différence là pour on se dit n'a vienne faire la cougne n'a vienne nous va vienne faire là tout à l'heure mais ça son information un élément extrêmement important il reconnu clairement que Michel Martelly présenté bandit légal lié parce que être bandit cela veut dire exactement ce que cela veut dire mais ou pas jamais dit le contraire les Michel Martelly t'a présenté comme un bandit et je dis hein pas oublier niveau économique et équipe tête Kalia ou bien niveau économique pour niveau économique Michel Martelly et avec toute question gang qui a venir jodi hein si t'es gon promotion qui a fait pour question gang nous tout t'es assumé et jodi hein il a essayé garder moun qui dans gang et ben sinon Laurent Lamotte figuré dans liste comme si moun non excusez-moi bazam on trouve que là Ronaldo bazam assumé question de gang. D'ailleurs, gardez les résultats. Si vous voulez me changer de résultats, non, mais ça, c'est une appellation qui est extrêmement intéressante. Non, c'est-à-dire que, regardez, pas oublier que ça fait 8 ans que je ne suis pas Premier ministre encore. Ça fait 8 ans que je ne suis pas dans la primature encore. OK? Et qui ça fait résultat depuis l'heure que je quitte? Est-ce que la sécurité a augmenté? Est-ce que mon sentiment est en sécurité? Est-ce que je sens que. Est-ce que vous sentez que comme c'est une date où vous n'avez pas inquiété, vous avez pris la rue, vous voulez? Ou bien est-ce que depuis 2014, vous avez des gringolades? Donc, il faut rester sur les faits, parce que les faits sont importants. Quand il y a la question de jeu de mots, ok, de bandit légal, on a parlé de on chante, d'ailleurs, c'est une seule fois que me dit que Michel Martelly était référé à ça, c'est une musique qu'il a fait, une musique taxi dans une vidéo. Donc là, on a parlé de entertainment, on a parlé de chanter, on va parler de bail sérieux qui c'est juste mon pays. Ah, ou quand même. Juste mon pays, son bail sérieux que. Ok, mais on vit dans. Ah non, monsieur Gumbel, on voit ça. Ok, on vit dans ça qui est plus sérieux. Et moi, songe, nous sommes en 2013, à l'époque, tu as gagné un parlementaire, député Delma Taba, qui t'a indexé ou bien présenté des dossiers, côté le palais de 200 Galil. Que Salim Soukar était à le personnellement et Galil Zaro, c'est vous même qui avez gestion, c'est vous qui avez fait commande. Et un peu plus tard, vous allez retrouver en pile dans Galil Zaro dans des bases, c'est même gon Galil que vous avez trouvé juste dans le pays Jamaïque. 200 Galil Zaro que Arnel Belize a toujours dit qui disparaît, qui vient prendre un droit dans l'aéroport, personne ne parle qui côté vous fait. Et qui sont qu'à répondre de 200 Galil Zayou? Premièrement, moi, voyez au talent un document que je trouve dans l'archive, qui sont documents de la police nationale d'Haïti, qui sont accusés de réception et de livraison de pas 200 Galil, mais 1000 Galil que CSPN a commandé pour la police nationale d'Haïti. Donc, question de 200 Galil que Anel Belize a parlé à. Ok. Anel Belize a voulu monter. Je ne vais pas rentrer dans la question de polémique avec Anel Belize parce que, encore une fois, les faits restent les faits. On est dans les faits. On ne va pas voulu monter. CSPN, le gouvernement que m'a dirigé à l'époque, là, a constaté que tu as gagné une situation côté police. Là, pas bien, rien n'a même. Dernier exam que tu as commandé, ok, bon, d'ailleurs, pas même commandé ça, nous, que c'est un armée d'Haïti que tu as une équipe de ville et M1 avec tes 65 dans mes. Donc, là que nous venons, nous faisons une commande globale pour la police nationale d'Haïti. Et nous faisons une commande globale ça pour exactement 15 000 pistolets Taurus. Que nous commandons dans le pays Brésil. Nous commandons 5 000 fusils 12 Taurus que nous commandons dans le pays Brésil. Nous commandons 1000 Galil dans le pays Israël pour unité spécialisée. D'ailleurs, toute unité spécialisée police dans le pays aujourd'hui, que ce soit ESWAT, BRI, que ce soit SIMO, UDMO, toutes. C'est comment Galil ça, c'est Zamsa dans le même. Donc, tu gagné. Et là, on a parlé en 2013. Ok? En 2013,
police la recevoir. En plus de ça, CSPN t'a commandé pour la police 5 blindés. Ça a eu les Timagali. Bon, je dis à la guerre, il y a 4 qui en panne. Moi, c'est une zone maquillée. Et ensuite, nous t'a commandé, si je ne sais pas, 4 ou 5 camions de l'eau. Ok, donc ça c'était comme un global pour la police nationale d'Haïti. Qu'on y a là, pour me voir plus d'informations toujours sur question de et commande spécifique Galil là, ok, gagner un certificat définitif d'accusé de réception qui émet le 8 août 2013, ok, par la police nationale à la direction de logistique. Qui dit que vous recevez le 5 mars 2013 une quantité de 200 fusils Galil, modèle ACE-22. Ensuite, le 11 juillet 2013, une quantité de 500 Galil, modèle ACE-22. Ensuite, le 8 juillet 2013, une quantité de 300 Galil. Donc ça, c'est date exacte avec modèle Galil qui a été recevoir et qui bon total de 1000 fusils Galil qui recevoir dans la direction logistique de la police là, et document ça a signé par le directeur de la logistique, M. Yves Stock, alias Chupa, qui fait le jeudi 8 août 2013. Donc ça, c'est pour nous répondre à vous et monter. Bluff, et puis une campagne médiatique de bas niveau. Ok, et puis moun pa même prend temps pour documenter yo même. Tout document là est disponible. Bon, d'ailleurs, m'a tous ces documents là sous compte Twitter, mais tout moun ka pou elle, tout moun ka apprécier pour elle. Laurent Lamosson. Qualité menti. Qualité menti que y a bay depuis l'homme qui te pris match ya. Donc il a mis des primatia parce que excusez-moi, l'homme de primatia, il faut comprendre que nous avons mené une bataille contre plusieurs gangs mafias, contre plusieurs réseaux mafias. Plusieurs réseaux mafias, nous avons boumé contre eux. Nous avons boumé contre mafia contrebande. Tu n'as pas oublié que premier famal sous l'homme fait monter comme premier ministre, premier bataille là, c'était sous frontière à Kenali. Ok, nous montrons task force anti-contrebande, qui devient plusieurs unités là-dedans, avec plus que 40 policiers pour te contrôler les frontières. La preuve, recette douanière qui a augmenté considérablement. Ensuite, nous avons fait une bataille contre gang avec kidnapping. D'ailleurs, kidnapping n'a été à un niveau presque à zéro à l'époque. Ça. Donc, tu as un travail qui t'a fait contre une série de réseaux mafias dans le pays. D'ailleurs, je pense que tout le monde a reconnaître. Deux dans les gros réseaux mafia, ils viennent démanteler sous gouvernement. Quitter réseau et sur la famille d'un côté. D'un autre côté, Clifford Black. Donc, M. Sayo, okay, la police, là, ce n'est pas même gouvernement, c'est la police qui a fait travail, qui a identifié M. Sayo dans des activités louches. Et puis, ils mettent en bas contre. Laurent Lamotte et Clifford Blanc t'es sauvé. Moi connais histoire li on ti jan fraîche dans l'esprit auditoire pour quand la parole yo, puisque nous faisons appel à lui très souvent, mais yo pas focus seulement tout sur question de financement gang ou bien association et gang et autres. Yo parlait tout de blanchiment d'argent, blanchiment d'avoir et tout ça yo. Et moi connais côté premier ministre, bon, depuis un certain temps ou pas dans le pays avant, mais après tout quitter pays. Hein, et est-ce que Canada va gagner enquête à mener sous de biens qu'on gagne, de richesses tout à fait dans le pays, hein, parce que y a pas arrêté focus seulement sous question de questions financement gagné ou autre, mais il y a l'autre accusation tout que vous mettez, tant coup blanchiment d'avoir, et puis il y a l'autre question encore. Parce que moi-même, je voulais focus sur ça seulement. Et comme vous êtes premier ministre, en termes de son gain et investissement, quoi faire? Est-ce que ce n'est pas de l'argent qu'on prend dans le pays et puis on va investir de l'autre côté? Parce que vous regardez tout le paramètre ça. Bon, et Guéry m'a répondu à la question ça très simplement. Vous prenez
deux ou trois accusations et puis vous mettez pour tout le monde. Donc, vous avez 9 points sur l'île là. 9 points qui sont très différents l'un de l'autre. Vous avez des anciens présidents. Et là, je ne parle pas ni pour ancien président, ni pour ancien premier ministre, ni pour ancien parlementaire, sénateur, je parle pour Laurent Lamothe. Abdou Samré, même, je connais. Okay? Et ça, même, ce que je connais, c'est que le Canada sorti avec des sanctions que yo dit qui c'est principalement financement de gang armé dans le pays. Alors que yo beaucoup, regardez, l'on fait une accusation comme ça. Au moins, il faut faire une enquête. Et ça, c'est selon l'état de droit. Il faut faire une enquête. L'on fait une enquête. L'enquête, là, beaucoup n'y a là. On sait de monde. Surtout en 2022. En 2022, il est très facile pour faire soit la traçabilité des fonds. Ça veut dire que si on dit que on fait blanchiment, pas un problème, il y a dit, OK, on fait blanchiment, mais qui est-ce qui n'a blanchiment, OK, mais numéro compte, qui va encore observer pour faire blanchiment, mais qui est-ce qui recevoir, et puis à quel fin que recevoir. Nous n'avons pas qu'à briller ton fonds plongé ou bon parler et vous dites que on fait blanchiment, ou bien on a financement gang, mais même c'est pour ça que moi fais un communiqué, je dis, à demander, on va acquis bien simple. Nous disons que nous avons financé ma gang, très bien. Mais dit c'est archi faux. On dit, OK, qui gang? Qui l'aime financer gang yo? Côté gang yo et ensuite, vina avec une preuve publique. D'ailleurs, je ne vais même pas que vous privé, je ne que vous mettez le public. Mais comme yo pas gagné preuve, yo pas gagné, je ne suis pas gagné. Donc, moi-même, je dis nation que là, pratiquement, je trouve que le Canada, il faut vérifier source information. Parce que source information, c'est une source qui clairement a un discrédit politique. OK? Bye. Laurent Lamothe a un de l'autre monde. Nous vous remercions. Nous vous remercions parce que vous abonnez avec Créole Promo sans prendre souffle. Et nous vous remercions tout parce que vous suivez Chanel. On sous plus gros plateforme. Puis mon plateforme. Plateforme qui là pour faire analyse sans fausse côté. Plateforme qui là pour bon bagaille yo Jean Yoya. Toujours abonné, toujours partager, toujours commenter. Et n'attend nous pour demander qui sont besoin, qui sont à remet et qui sont plus tout. Créole Promo sans souffle. Ciao.